on vous remercie en fait de votre présence. Et je vais vous présenter très rapidement en fait les personnes qui sont présentes ici. Donc nous avons ici Ginette, qui est la rédactrice de La Voix de la Libye. Donc c'est un site internet, je vous conseille d'y aller. Il y a pas mal d'informations actuelles sur ce qui s'y passe. Donc c'est important en fait de pouvoir avoir des informations actuelles et également de pouvoir partager ces informations. Parce que malheureusement, très souvent, ce qu'on fait les uns les autres, lorsqu'on a des informations, on les garde pour nous. Donc il est bien en fait dans ce qu'on fait de pouvoir partager les informations. Donc La Voix de la Libye, donc, qui est par Madame Ginette, je vous conseille vraiment d'y aller. Donc elle va intervenir juste après moi. Donc après, vous avez également Monsieur Rachid Ben Saya. Rachid Ben Aïssa, qui est un expert international qui a beaucoup de connaissances dans le domaine de ce qui se passe sur le terrain. D'accord, étant arabisant lui-même, parlant arabe, connaissant réellement les mentalités et comment ces mentalités-là se sont construites dans le temps, il est important en fait de pouvoir avoir un point de vue de personnes non seulement qui font des allers-retours, mais qui connaissent bien les choses sur le terrain. Donc voilà, donc il va intervenir. Juste après Madame Ginette. Donc après, vous avez Monsieur Amara également, qui est libyen lui-même, qui est un expert également dans son domaine, et qui, venant de Libye, il était tout à fait normal en fait d'avoir une personne qui s'exprime depuis la perspective libyenne. Donc ça, c'est important en fait. Peut avoir des experts qui sont à l'extérieur, mais à l'intérieur également, c'est très important. Donc voilà, donc c'est les diverses personnes qui vont s'exprimer. Et nous avons enfin l'étudiant ministre Abdul Hakim Mohamed, qui est le représentant en Europe du ministre Luis Farrakhan. Le ministre Luis Farrakhan est cette personne que vous connaissez, qui est un porteur de voix pour la liberté, pour la justice et pour l'égalité des peuples opprimés dans le monde. Donc c'est son représentant en Europe. Et je vous dis une chose qui est très importante. Dernièrement, il devait faire un discours en Angleterre qui devait être public. Et on l'a interdit de parler en Angleterre. Et le ministre Luis Farrakhan également est interdit de mettre ses pieds en Angleterre. Donc vous savez que lorsqu'on interdit quelqu'un de pouvoir parler, non pas pour attaquer les autres, non pas pour pouvoir faire du terrorisme ou quoi que ce soit, vous savez que si juste on empêche à quelqu'un de parler, c'est que cette personne a quelque chose d'important à dire, comme on peut le voir à la fin aussi, avec le frère Dieudonné qui arrivera tout à l'heure. Donc nous avons des personnes en fait qui vont être là présentes, qui vont pouvoir s'exprimer, donner un point de vue aussi sur lequel on doit repartir, non pas en se disant on a eu des connaissances, mais nous devons repartir ici avec des actions en commun, non pas juste ce qu'on appelle le fait de pouvoir parler. C'est pour ça que ici, dans cette pièce, vous devez vous connaître les uns les autres, faire en sorte, en partant, de pouvoir savoir, en vous connectant sur les sites internet qui vont vous être communiqués, de pouvoir faire en sorte d'avoir des actions en commun qui vont être menées pour pouvoir libérer les peuples opprimés sur cette planète Terre. On ne peut pas rester dans cette situation longtemps en laissant des peuples qui sont dans cette situation. Donc c'est important en fait que ces personnes-là puissent témoigner. Donc je vous demande vraiment de les accueillir avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Est-ce qu'on prend un micro ou on parle comme ça? Et donc voilà, donc chacun d'entre eux vont intervenir, donc je vais leur passer le micro. Ouais. Bon. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Et merci d'être venus aussi nombreux, ce qui est rare quand nous organisons une conférence pour Kadhafi. Je voulais vous montrer la toile qui est derrière vous. Elle a une histoire. Lorsque j'ai voulu organiser un hommage à Kadhafi à la Bourse du Travail, la CGT m'a interdit l'hommage à Kadhafi. Et m'a interdit, m'a donné une interdiction de rentrer dans la Bourse du Travail. Alors je voulais organiser une manif dans la rue, mais comme il y avait des sans-papiers avec eux, je me suis mis à l'écart. Et pour me remercier, parce que j'étais tellement énervée, les Africains m'ont peint cette toile et me l'ont offert. Donc elle vient de la... Elle vient de la Fédération des travailleurs africains en France. Voilà. Donc, je veux
rentre cet hommage à Muammar Kadhafi, que j'ai connu. Je l'ai rencontré au minimum 4 fois. J'allais souvent en Libye. Et c'est pour cela, quand ils nous ont bassinés avec ce fumeux, et je l'appelle bien fumeux, printemps arabe, quand on a vu les mobilisations en Tunisie, en Égypte, on était contents. On s'est dit, c'est le peuple qui se soulève. Mais quand j'ai vu que les mêmes traitaient Kadhafi de dictateur, d'assassin, disaient qu'il avait assassiné son peuple, je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Je connaissais la Libye, ça faisait 20 ans que j'y allais en Libye. J'ai participé à des tas de congrès en Libye, congrès sur le droit de la femme, congrès sur la démocratie directe, congrès sur l'écologie, sur le pacifisme. Et donc pour moi, tout ça était faux. Et ça avait été inventé. Ça avait été inventé par Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, la Clinton. Et cette crapule de Ali Benach que Sarkozy a reçue à l'Élysée et qu'il a traité de démocrate, et c'est lui qui est responsable. On vous parle aujourd'hui de l'esclavage des Noirs en Libye, mais c'est lui qui est responsable, ce Ali Benach, parce qu'il a dit que tous les Noirs qui étaient en Libye étaient des mercenaires. Et du coup, ils en ont assassiné 1 million de Noirs en Libye. Et puis maintenant, tous ces migrants qu'on reçoit aujourd'hui, qui sont soit noyés en Méditerranée, soit pris comme esclaves en Libye, c'est la faute de ce Ali Benach. Et ce Ali Benach, c'était un islamiste d'Al-Qaïda, et qu'ils ont libéré de Guantanamo pour venir diriger le Conseil national libyen. J'ai été en Libye pendant la guerre. J'ai été en mars 2011 avec Dieudonné. On a été ensemble, on a fait une délégation. Et ils nous ont raconté qu'il y avait des massacres en Libye, que Kadhafi massacrait son peuple. Et on n'a rien vu. La place verte était presque vide. On a été dans le quartier des affaires. Ils avaient dit qu'il y avait 6000 morts. Les morgues étaient pleines, les hôpitaux étaient pleins. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucun mort. J'avais un ami qui habitait dans le quartier des Arabes, dans ce quartier des affaires. Je suis allé le voir, je lui ai raconté. J'ai demandé qu'il m'amène dans les morgues, qu'il m'amène dans les hôpitaux. Il m'a répondu, il m'a demandé si j'étais devenu sénile. Parce qu'il ne savait pas, il n'y avait pas de mort. Il n'y avait aucun mort. Il y avait, parce que comme la Libye était sous embargo depuis tellement d'années, il fallait passer par la Tunisie pour y aller. Et en sortant à Ben Gardan de Tunisie pour aller en Libye, il y a à peu près 250 kilomètres qui étaient à travers le désert. On a vu quelques impacts de balles, et c'est tout. Il y avait par contre plein de constructions, de magasins et tout. Et ça, c'était nouveau, je ne reconnaissais pas. Et j'ai demandé aux Libyens ce qui se passait. Ils ont dit, c'est que Kadhafi avait construit toutes ces maisons et tous ces magasins pour accueillir les Noirs d'Afrique. Il avait accueilli 1,5 million Noirs d'Afrique, qui n'étaient pas des mercenaires comme l'a raconté l'autre idiot, mais qui étaient des gens qui travaillaient là, à qui il avait offert des magasins, à qui il avait offert des maisons, et qui et travaillaient aussi dans le pétrole. Donc, on a vu, en traversant avec Dieudonné, on a mis toutes ces files d'Africains, mais par milliers, qui traversaient la frontière avec leurs gosses dans les mains, leurs bébés, leurs baluchons et tout, et dont les femmes pleuraient. Et je suis rentrée dans les toilettes des femmes, parce qu'il y avait des Nigériennes, je savais qu'elles parlaient français. Et donc il y a une Nigérienne qui m'a dit « Madame, nous venons de perdre le paradis ». Voilà ce que m'a dit cette femme nigérienne. Je l'ai toujours gardée dans ma tête. Donc, je suis retournée en mai 2011. Il y avait des missiles qui tombaient. Au début, c'était des missiles français. Au mois de mars, c'était les missiles français qui bombardaient. Après, l'OTAN a pris la suite. Et j'ai vu
des trous énormes. Ils ont bombardé la maison de Saïf El Arabi, le dernier fils de Kadhafi. Ils l'ont tué. Il a été mort, ainsi que le bébé de Aïcha. Aïcha Kadhafi, un bébé de 8 mois. Et d'autres gens qui ont été tués. Et c'était dans le quartier résidentiel de Tripoli. Et c'était les Français qui avaient bombardé. Et j'ai vu aussi le quartier des Coptes. Parce que Kadhafi avait recueilli un millier de Coptes égyptiens qui se sont sauvés d'Égypte. Vous savez qu'il y a eu des problèmes avec les Coptes en Égypte. Donc Kadhafi les avait accueillis, il leur avait construit un quartier. Et ils avaient leur église, ils avaient leur coopérative, ils avaient des centres socioculturels. Et la France a bombardé ce quartier, je l'ai vu. Les Coptes m'ont fait venir parce qu'ils savaient qu'il y avait une Française à Tripoli et ils voulaient me montrer. Donc je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai dit sur les radios, mais personne ne m'a cru. Hein, parce que tout le monde était persuadé que Kadhafi était un dictateur, que Kadhafi était un assassin, que Kadhafi bombardait son propre peuple. Donc on pouvait dire ce qu'on voulait. J'ai fait un article tout au début, en mois de février 2011, où j'ai écrit « Je ne hurlerai jamais avec les loups ». Et j'ai écrit ce que c'était la Libye. La Libye était en fait... dirigé par un congrès général. Le congrès général était ici des congrès de base. Donc la Libye, il y avait plusieurs régions en Libye et qui fonctionnaient sous forme de congrès de base qui prenaient des décisions locales, participatives. Et donc c'était le congrès qui dirigeait la Libye. Kadhafi était le porte-parole de ce congrès et le guide de ce congrès. Mais ce n'était pas lui qui prenait les décisions, c'était le congrès général. C'est pour ça que Sarkozy est rentré dans une rage folle parce que Kadhafi lui avait promis d'acheter une centrale nucléaire et les Rafales, mais le congrès général a décidé qu'ils achèteraient la centrale nucléaire et les Rafales à la Chine. Et c'est pour ça que Sarkozy a pris cette haine envers Kadhafi, et pour une autre raison aussi, parce qu'il voulait créer l'Union pour la Méditerranée. Et donc, comme la Libye a des très grandes côtes sur la Méditerranée, il avait besoin de la Libye et Kadhafi a refusé. Parce que Kadhafi était en train de construire l'Union africaine. Kadhafi voulait mettre en avant l'Union africaine, donc il ne voulait pas, couper l'Afrique, couper l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie et la Libye de l'Afrique. Pour eux, il faisait partie de l'Afrique. Pour lui, il faisait partie de l'Afrique. Et il ne voulait surtout pas qu'Israël fasse partie de cette Union pour la Méditerranée. Et donc, il a refusé. Et donc, Sarkozy a été atteint d'une rage folle envers Kadhafi. Et donc, avec l'aide de la Clinton, qui voulait vraiment écraser la Libye, parce que la Libye possède beaucoup de pétrole et de gaz, et parce que la Libye n'avait pas reconnu l'État d'Israël, tout comme la Syrie, c'est pour ça que la Syrie aujourd'hui est en guerre. C'est pour cela qu'il y a eu cette guerre. Et cette guerre fausse, basé sur un mensonge, parce que Kadhafi n'a jamais été un dictateur. Je l'ai vu, je peux le dire. J'ai été 3 fois sous la guerre, sous les bombes là-bas. Et j'ai été pendant 20 ans en Libye. Je participais au centre du Petit Livre Vert. Je discutais avec eux. J'ai participé à beaucoup de congrès. Et donc, étant membre fondatrice des Verts en France, et ayant été exclue parce que j'étais une anti-sioniste radicale. Kadhafi était intéressé par mes interventions sur l'écologie. Donc j'ai beaucoup travaillé avec eux sur l'écologie. Et voilà, donc c'est pour cela que je peux vous dire aujourd'hui, il y a eu des mensonges. Et Kadhafi avait un projet de civilisation qu'il a appelé la troisième voie universelle. Et maintenant, ses ennemis l'ont fait échouer ce projet. Et puis, il avait aussi un projet de liberté qui a été liquidé par tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la Libye, il vous en parlera à Mara. La Libye est en chaos. Il y a 3 mouvements islamistes
qui s'entretuent en Libye. Il y a trois gouvernements en Libye. Et comment voulez-vous diriger tout cela? Le seul qui aujourd'hui peut sauver la Libye, c'est le fils de Kadhafi, Saïf el-Islam, parce qu'il a le soutien des tribus. Il y a à peu près 1550 tribus en Libye qui soutiennent Saïf et qui sont restées fidèles à Kadhafi. Il y a tout un mouvement de la résistance verte qui se mobilise et nous espérons que cette Libye nous sera rendue un jour. Je vous remercie. Je vous présente Monsieur Amara, qui lit bien, qui va prendre la parole. Bonjour à tous. J'ai préféré de vous parler en arabe. Ce sera mieux pour la conversation. Nous rappelons beaucoup de gens. Ce matin, nous vous remercions pour votre présence et pour votre soutien à la Libye. Bonsoir, merci d'être présent et merci pour votre solidarité avec la Libye. نتقدم بالشكر لدوديني الذي أعطانا منح الفرصة دوديني رسول الحرية الذي أعطانا الفرصة هذا اليوم لكي نترحم على زعيم من زعماء أفريقيا. Merci au grand champion de la liberté qui est Dieudonné. Qui nous donne l'occasion d'honorer un homme partisan de liberté, Kadhafi. Kama aidan ashkuru wa atwajjih ash-shukr li mumathil ummat al-islam Farrakhan alladhi aidan kana sadiqan li Libya wa kana da'iman lil hurriya. Un grand merci au représentant de Louis Farrakhan, le grand champion de la liberté en Amérique, qui a été soutenu par Kadhafi et qui rend, par la présence de son ministre ici avec nous, qui lui rend la monnaie de la solidarité, qui n'a pas oublié. تعرفون أنه قد تم اغتياله من قبل الناتو بطيران الناتو في 20/10/2011 فالآن أنصار القذافي الآن يحيون هذه الذكرى كل سنة خاصة في فرنسا واليوم دوني أيضا يعطي هذه الفرصة لنحيي هذا الزعيم. Avec Dieudonné, vous tous qui êtes là présents, vous honorez et commémorer le 6e anniversaire de l'assassinat de Kadhafi qui a eu lieu le 20/10/2011. Donc merci pour votre présence. كان مع الضعفاء كان عندهم مشروع للديمقراطية الشعبية وكان عنده مشروع للحضارة وكان أيضا عنده مشروع لتنمية أفريقيا والنهوض بأفريقيا. Kadhafi était un messager de la liberté de l'Afrique, un messager du développement. Il prêchait le développement de toute l'Afrique et de tous les peuples opprimés. وكانت هذه البرامج التي أسسها بالنسبة لأفريقيا والعالم هي السبب في أن يستهدف من قبل الغرب. إنما حدث في ليبيا هي مؤامرة عالمية لكي يتم الاستحواذ على النفط وعلى الغاز وعلى الثروات الموجودة في ليبيا وأيضا منع أفريقيا من النهوض ومنع مشروع القذافي أن ينجح في أفريقيا وفي العالم. C'est parce qu'il a voulu libérer l'Afrique. Vous savez qu'il avait proposé, il voulait sortir l'Afrique à qui la France a donné l'indépendance en 58 sous réserve de transférer 80% de leurs devises, de les bloquer dans les banques françaises.
Kadhafi a proposé à ces États africains de racheter, de leur donner les moyens de créer une monnaie autonome pour sortir du franc CFA. C'est l'une des raisons pour lesquelles la crapule Sarko, entre autres, est intervenue. Donc le programme de Kadhafi, qui une de ses premières initiatives, c'était précisément à l'adresse des Noirs américains, qui n'étaient pas tout à fait citoyens. Donc, donner des moyens financiers à cette communauté pour qu'elle se donne d'un minimum d'infrastructures. J'étais présent, j'ai rencontré moi-même Farrakhan 3 fois. Faire émerger ce contre-pouvoir en Amérique, qui était noir, mais qui se sortait de la couleur pour s'intégrer comme homme, s'intégrer dans l'humanité. C'est cette provocation. Ça a été perçu comme une provocation. Qu'est-ce qui vient foutre ce Kadhafi africain, arabe, musulman de plus, et qu'est-ce qui vient foutre chez nous en Amérique, là, donner des moyens à cette communauté sans ressources de se créer des universités, de se créer des médecins. Quand Farrakhan avait le cancer, ces médecins étaient noirs. 4000 personnes qui étaient au congrès à Chicago, quelle fierté! Ce n'était pas des blancs. Il n'y avait pas de médecin noir avant. Voilà. Ça mérite des applaudissements. إذن كانت هناك مؤامرة على الشعب الليبي. الشعب الليبي أراد أن يقوم بإصلاحات في كل الميادين. ولكن الغرب استغل هذه الفرصة وهجم على ليبيا ودمر كل البنية التحتية وجعلها الآن مثل الغابة. Voilà, on a puni Kadhafi pour cette volonté d'indépendance, de libération, non-soumission, l'insoumis. Qu'est-ce que c'est que cet insoumis qui ne se plie pas au soi-disant droit international que nous savons très très discriminatoire, hein? Voilà, donc il ose braver, il a des moyens financiers, mais il ose braver dans le bon sens. Il reste pas uniquement avec les Arabes, non, il va en Afrique, il va en Amérique. Oser. طبعا les Libyens il a faisait la réforme, mais le problème, l'Occident, ils ont profité cette volonté de réformer, ils ont cassé la Libye, rendu dans le chaos. الآن ليبيا تعيش في حالة فوضى dans le chaos. Politiquement, économiquement, dans, aussi dans les, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de moyens de vivre en Libye, et c'est une pénurie totale. C'est-à-dire, on a qu'un effort complet. Aujourd'hui, la Libye est réduite à un chaos. Voilà, il n'y a plus rien qui fonctionne, on s'entretue, il y a des groupuscules, voilà. Donc, il n'y a pas de solution pour l'instant. لأن هناك مؤامرة دولية مسؤولية إن كملو إنترناسيونال دونك لا كوميونيتي إنترناسيونال لونيون أوروبيان إلي ناسيونيزني فول با فورمي لا ليبي الغيست توجور دون الكابو بور فاسيليتي أفوار البترول أفوار الغاز خلاص أريد أن أختم في النهاية أقول لكم الآن باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان تم تدمير ليبيا وتسليمها إلى الإرهاب. الآن أصبحت ليبيا أصبحت منطقة للإرهاب. كل المنظمة الإرهابية الآن تسيطر على ليبيا في الجنوب في الشمال في الشرق. هناك الميليشيات هم الذين يحكمون ليبيا. Au nom des soi-disant droit international, démocratie, etc., on a livré la Libye
à des groupuscules terroristes qui, voilà, qui décomposent tout et qui ont freiné le grand programme réformateur de développement, de libération, la Libye. L'éducation était gratuite, l'enseignement, la médecine était gratuite, chacun avait chaque famille avait un logement. C'est d'une non sans précédent, qui ne se retrouve pas dans la séoudite maudite, ou dans les pays bien chéris par les soi-disant démocraties internationales. Comme le Qatar. Voilà. ممكن أن شخص أن يسأل ما هو الحل؟ سكوا لا سلسيون سلسيون ليبي سكوا لا سلسيون. أعتقد أن الحل الرئيسي الذي يمكن أن يطبق الآن في ليبيا أو إنقاذ ليبيا سوفي لا ليبي كما أنبو سوفي لا ليبي. الحل هو أن يجب أن نعطي الكلمة للقبائل الليبية الذين أسسوا مؤتمرا على عالم وطني مؤتمر وطني يجمع كل القبائل. هذا المؤتمر الوطني لا علاقة له بالسياسة ولا علاقة له بالخارج، هو مؤتمر من أجل الليبيين، هو مؤتمر اجتماعي يجمع كل الليبيين. فإذا نحن أعطينا الفرصة للقبائل الليبية وللمؤتمر القبائل الليبية في هذه الحالة ممكن أن ننقذ ليبيا ونخرجها من هذه الأزمة. La seule solution en Libye, c'est de redonner la parole à la confédération des tribus libyennes qui restent encore autonomes et qui vont décider de l'avenir de la Libye à l'abri de toutes les pressions, manipulations extérieures. أيضا يمكن أن نقول أن ممكن سيف الإسلام إذا كان أعطي الفرصة أيضا بإمكانه أن يساهم في بلورة مشروع مصالحة وخرج ليبيا من هذه الأزمة. بودني أسي لبصبلتي بوغ سيف الإسلام دي بارتسيبي على كونسولياسيون ليبيان parce qu'il connaît bien la Libye avant, donc c'était une possibilité pour sauver la Libye de la crise. Deux choses, la première chose, c'est le congrès de fédération des tribus libyens. La deuxième chose, c'est Cheikh l'Islam, lui, pour participer à la, pour concrétiser un projet de conciliation entre les Libyens. Parce que le problème, c'est quoi maintenant? C'est le conflit total entre les Libyens. La seule solution pour sortir de la crise, c'est la conciliation entre les tribus qui doit être menée par Cheikh l'Islam et par les chefs de tribus. Sans, il n'y a aucune sortie, on reste toujours dans l'impasse. C'est bon. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Mes chers amis, bonsoir. Merci à vous, témoins de l'homme. C'est vous qui nous donnez le courage, qui nous réchauffez le cœur. Voir des gens venus de tous horizons se mobiliser un samedi pour venir dire leur solidarité avec une cause lointaine géographiquement, mais si prête du cœur de chacun d'entre vous. C'est vous les vrais hommes. Notre ami Dieudonné nous a réunis, nous a donné, mais Dieudonné n'existe pas sans vous. C'est vous qui faites Dieudonné. Vous ne seriez pas là, il n'y a pas de Dieudonné. Donc, soyez fiers. Le mot rebelle, c'est un mot arabe. Rabilon. Rajulun rabilon. C'est l'insoumis. C'est l'anagramme de libre. RBL, rebelle. LBR, libre. Un homme rebelle. C'est un homme libre. L'homme révolté, Camus disait, se révolter, c'est dire
Non. Ce qu'ils ont de commun, tous les hommes dont on a parlé, Kadhafi, Farrakhan, Carlos, qu'on a célébré ici, tous ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils ont de commun? Ils disent non à la répression, non à l'humiliation, non à l'injustice, non à la discrimination, non, non, non à tout ce qui est négatif, à tout ce qui humilie l'homme. C'est pour ça que c'est une cause. Vous êtes là, il y a de toutes les couleurs ici chez vous, là. Il y a de tout. Mais ce qui vous et nous, ce qui nous unit à tous, c'est la volonté de redonner à l'homme une dignité, qu'il puisse que des hommes dignes se reconnaissent. J'ai eu l'honneur et le privilège d'écouter pendant 4 heures devant 4000 personnes Farrakhan. Mais en entrant dans le congrès, il y avait une communauté de juifs anti-sionistes. Et je suis allé les voir. Et puis ensuite, quand on est parti saluer Farrakhan, il m'a félicité. Il m'a dit, you did well, t'as bien fait d'aller leur parler. Et oui, non, parce que là, c'était pas des juifs sionistes. Non, c'était des juifs anti-sionistes. C'est facile pour un arabe dépossédé de la Palestine d'être anti-sioniste. Il n'a pas le choix. Mais c'est mille fois plus courageux pour un juif de se désolidariser de ses coreligionnaires parce qu'ils trahissent la mission. On n'est pas là pour opprimer les autres. Donc moi, quand je suis allé les saluer, et ils ont le mérite de se signaler dans le monde, évidemment, en France. Vous savez très bien, les choses étant ce qu'elles sont, et le monde ce que nous savons, pour citer un grand Français, qui a été puni, vous savez, sa phrase-là. Quand De Gaulle a dit « Le juif est sûr de lui, conquérant et dominateur », en 67, lors de l'agression israélienne contre l'Égypte, le monde a tremblé en France. On croyait que la France était un pays libre, que le grand chef d'État, éminemment respecté, bon, c'était le début de sa fin. Il avait signé sa fin. Voilà. Donc, Farrakhan, avec les quatre... Alors, il nous citait la Bible qu'il connaît par cœur. Il citait le Coran qu'il connaît par cœur. Avec le même enthousiasme, l'homme, d'une certaine façon, un fruit de Kadhafi. Parce que, sans les moyens, c'est des millions de dollars que Kadhafi a donné. C'était de la provocation suprême, hein. Qu'est-ce que c'est cet arabe-là qui vient injecter pour dresser les noirs contre... Ce n'était pas le projet de Kadhafi, dresser les noirs contre les blancs. Non. Redonner aux exclus, aux humiliés, le droit et les moyens de redevenir humains. Les égaux des autres. Voilà. Donc, nous autres, quand on parle de la Libye aujourd'hui, de ce qu'elle est devenue, c'est parler de la Syrie, c'est parler de l'Irak, c'est parler de du Yémen. Vous savez le Yémen? Vous entendez, il y a ce que je s'appelle le droit international. Le droit international. J'ai été fonctionnaire 25 ans d'une organisation internationale. J'ai appris déjà que ces organisations n'étaient pas internationales. À l'UNESCO, on était 1200 fonctionnaires, 800 étaient français, 200 étaient les occidentaux, les autres occidentaux, ça fait 1000, et 200 pour le reste du monde.
C'est-à-dire 1 milliard de Chinois, 1 milliard d'Indiens, les Japonais, etc., etc. On avait un directeur de personnel qui ne parlait pas français, donc elle signait. Ça s'appelait Organisation Internationale. Il y avait un provocateur qui s'appelait, voilà, en montrant dans l'ascenseur chaque matin, dans cette organisation dite internationale, qui ne l'était pas. Eh bien, cette organisation, Kadhafi ne l'a pas oubliée. Il lui a donné 4 millions de dollars pour écrire l'histoire générale de l'Afrique que j'ai eu l'honneur de surveiller, de veiller sur pendant 6 ans. Un pays africain n'aurait pas eu les moyens d'écrire l'histoire générale de l'Afrique en 5 volumes, mais grâce à l'argent de la Libye, de Kadhafi, on a pu mobiliser les meilleurs chercheurs dans le monde et sortir 5-6 volumes dans 5-6 langues. Contrairement à une crapule séoudite maudite qui aujourd'hui est en prison, voilà. Eh bien, il est venu, il a donné 6 millions de dollars à l'UNESCO, et moi, j'avais pour produire une encyclopédie. J'étais tout content. Le DG m'a demandé de le présenter. J'étais tout content à les Arabes. Moi, on va avoir une encyclopédie scientifique. Je n'en avais pas en arabe. Et en chemin, un collègue m'approche, il me dit, tu sais, non, c'est pas en arabe, c'est en anglais. Donc, j'arrive devant Walid Ben Talal, le super milliardaire là, qui croupit en prison là maintenant. Je dis, Altesse, je croyais que vous aviez offert pour sortir, produire une encyclopédie arabe. On n'en a pas en arabe. Non, il a ajouté une encyclopédie scientifique aux milliers qui existent en anglais. Voilà les Arabes soumis. Les Arabes soumis, il y en a plein. Et l'Arabie séoudite maudite, vous avez entendu cette semaine-là, le Kouchner, là, le gendre de... Il est venu, il a pris 1 milliard de dollars dans son bateau, direct en Israël, pas vers l'Amérique, parce qu'il ne peut pas déposer ça dans une banque. Non, il va directement en Israël avec le milliard. Il lui a dit, bon, l'argent que tu as donné, que tu as promis à Trump, voilà, voilà. Donc voilà, qui est l'auteur de tout cette destruction générale? Ah, j'entendais quelqu'un qui faisait évoquer les grands événements qui sont survenus dans le monde depuis 9/11, le 11 septembre. Bon, 11 septembre. Alors, le 11 septembre, voilà. Le 11 septembre, ensuite, il a cité quelques attentats en France, je ne sais pas quoi. Il y a eu 4 Français, 20 Français tués. Attention, c'est ça. 20 Français, 25 Français. Alors, 9/11, le 11 septembre, ça n'a jamais été fait par les Arabes. Voilà. J'ai assisté à un congrès où il y avait 32 spécialistes américains, des ingénieurs américains, parmi les constructeurs de la tour, qui ont dit qu'il est impossible que cette tour tombe sous l'effet de l'avion. Il y a 30 ans, un avion est passé, il n'a même pas détruit l'étage. Voilà. Donc, ceux qui ont fait cela, c'est tout, sauf des Arabes. Même s'il s'est trouvé des imbéciles arabes pour revendiquer. Voilà, ils ont revendiqué. Mais on sait aujourd'hui, et là, l'Amérique tient, elle fait du chantage à la Saoudite, que puisque les Saoudiens qui ont été dans l'avion, voilà, ils ont revendiqué, donc ils vont devoir payer, etc. Donc, alors, nous, on dit l'Amérique, c'est elle le grand responsable officiellement. Mais enfin, nous, Israël, nous dit non, parce que quand Netanyahou était ministre des Affaires étrangères, son Sharon lui a dit, attention, tu vas en Amérique, mais tu ne fais pas de concessions. C'est nous qui contrôlons l'Amérique. Le monde dixit. C'était écrit dans Le Monde. Donc moi, je cite. Israël nous dit que c'est elle qui contrôle l'Amérique. C'est vrai qu'en Amérique, vous ne pouvez pas lire Washington Post, Newsweek, chaque jour, Jewish Lobby,
C'est une institution bien identifiée, dont tout le monde parle. En France, dire le mot lobby, une fois je suis passé à la télé, j'ai dit le lobby, il me dit vous êtes antisémite. Je dis attendez, écoutez, je dis j'allais parler du lobby de la chasse. Ah, c'est tout. Vous dites lobby, vous êtes antisémite. Voilà, voilà. Bon, donc, on voit bien à qui profite. L'alliance déclarée depuis 2-3 jours, mais depuis déjà Salman, le crapule saoudien, là, il était en Israël la semaine dernière. Mais là, depuis 2 jours, c'est le ministre de la Défense israélien qui déclare cela sans aucune gêne. Donc, le Yémen, elles sont où les organisations internationales? Un pays extraordinaire. Elles sont où? Elles sont où la non-ingérence? Elles sont où agression? Elles sont où non-assistance à personne en danger, à peuple en danger, des 800 000 enfants, etc. Elles sont où? Elles sont où? Il n'y a pas d'autorité internationale. Il n'y a Might is right. La force, c'est le droit. Voilà ce que dit le proverbe anglais. Les Français l'avaient dit avant, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Voilà. Il n'existe pas d'autorité. Alors on se décide. Voilà, on va intervenir là où on n'intervient pas. Non, on va. Alors en Syrie, les Américains se trompent. Le chef de l'Al-Qaïda, là, c'est un agent. C'est les Américains qui le déclarent. Il était prisonnier chez eux, ils l'ont formé avec les Israéliens. On a même eu en Libye des Israéliens, de l'armée israélienne, imams dans des mosquées. Et on a révélé leur identité. Vous voyez comment c'est islamique, le groupe islamique. Vous voyez combien ils sont islamiques. Pendant 10 mois, ce sont les Américains qui révèlent cela. Il était prisonnier en Irak, ils les ont formés, ils les ont lâchés. Allez-y, ils ont même l'art oratoire. Et il s'exprime très bien, Baghdadi. Voilà. Alors, ici, évoquer Kadhafi, évoquer Farrakhan, c'est évoquer le grand de l'Afrique du Sud. Mandela. À qui Mandela a rendu le premier la visite? À Kadhafi. À Kadhafi. Alors dites-moi ce qu'il est allé foutre Kadhafi chez Mandela. Eh bien, Kadhafi a entendu. Il a entendu la douleur de Mandela et de l'Afrique du Sud. J'ai eu l'insigne privilège de lui toucher la main 2-3 minutes dans son bureau en Afrique du Sud. Moi, j'ai discuté 1 heure avec lui, avec Mandela. Ah, mais Ginette ne se présente pas, hein, donc Ginette est une institution. Voilà. J'ai discuté 1 heure avec Mandela et Kadhafi. J'ai rencontré Kadhafi pour quelques minutes, mais... Alors, regardez cet homme-là qui a été présent partout. C'était pas... non, il n'était pas tenté par une vie confortable, etc. Rien à voir avec les crapules au sommet arabe quand ils se rencontraient. On voyait très bien qu'il n'avait rien à voir. Et il n'avait rien à voir avec ses contribules. Non, voilà. La liberté est indivisible. Voilà. Mandela avait dit ça. On ne sera jamais libre aussi longtemps que la Palestine sera occupée. Tout à fait, oui. Voilà. 6 millions de Palestiniens chassés depuis 50 ans qui vivent dans les camps. Il y a 6 millions de Juifs venus d'autres pays. Vous avez chassé les Juifs de France? Les Américains ont chassé les Juifs? Les Anglais ont chassé les Juifs? Qui parle? Le droit international, plus de 100 condamnations d'Israël par le soi-disant, comme disait De Gaulle, le truc, le machin international. Il appelait ça l'ONU, il a dit le machin. Par le machin international, aucune n'a été appliquée.
Voilà. Vous voulez que les gens croient? Vous voulez qu'ils croient que nous sommes tous des égaux, que ce n'est pas possible? Voilà. Alors, notre message à tous et à vous, chers frères, chères sœurs, c'est que, avec Dieu donné et sans Dieu donné, où que nous soyons, on se regarde dans la glace, on se dit, est-ce que je peux être fier de moi? Est-ce que je pense à toutes les religions ont enseigné à ne pas humilier, à donner? Dieu dit, fils d'Adam, je t'ai demandé à boire, tu ne m'as pas donné à boire. Seigneur, comment t'aurais-je donné à boire, toi qui ne manques de rien? لقد كان أحد من خلقي عطشانا فلو سقيته لوجدتني. Si tu as une de mes créatures avait soif, si tu lui avais donné à boire, tu m'aurais trouvé à côté. يا ابن آدم استشفيتك فلم تشفني. Fils d'Adam, je t'ai demandé à me soigner. Seigneur, gloire à toi. Comment je vais te soigner, toi qui une de mes créatures était malade? Si tu lui avais rendu visite, si tu lui avais procuré de l'aide, tu m'aurais trouvé à ses côtés. Dieu est à côté du pauvre, du malade, de l'infirme, de la femme, de l'enfant. Voilà, tout ce qui est injuste. Voilà les choses qu'on ne dit plus. L'enseignement élémentaire œcuménique dans toutes les religions, c'est le même enseignement. Voilà. Alors, honorons l'homme sous toutes les latitudes, dans toutes ses couleurs. Et merci encore une fois à vous qui nous avez honorés de votre présence. Merci Rachid. Bonjour à tout le monde. Des salutations à tout le monde. I can say that. Bonjour. Bonjour. First, in the name of Allah, the beneficent, the most merciful. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. I certainly bear witness to the oneness of God. Je témoigne qu'il n'y a qu'un Dieu. And I certainly bear witness to je témoigne to all of his messengers and prophets. Que tous ces messagers et prophètes. Most notably, I'd like to thank Almighty God, Allah. Je remercie Allah Tout-Puissant. For Moses, pour Moïse, who he revealed the Torah through, qui a révélé la Torah. And for Jesus, et pour Jésus, whom he gave, à qui il a donné les Évangiles. And for his disciples, who gave us the Gospels. Et à ses disciples. And as a follower of the Honorable Minister Louis Farrakhan, en tant que disciple de l'honorable ministre Louis Farrakhan, like to thank Allah for Prophet Muhammad. Je remercie, peace be upon him, pour le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. But as a follower of the Honorable Minister Louis Farrakhan, et en tant que disciple du ministre Louis Farrakhan, I would also like to thank the Universal God. Je remercie le Dieu de l'univers for intervening, d'être intervenu in the miserable affairs, dans les affaires misérables, of the black man and woman, de l'homme et de la femme noire, who were reduced, qui a été réduit, to burden bearers, à rien, qui porte le fardeau, in the western hemisphere, dans l'hémisphère occidental, after we were kidnapped, après que nous ayons été kidnappés, by European powers, par les puissances européennes. We thank Almighty Allah, nous remercions Allah Tout-Puissant, for coming among us, d'être venu parmi nous, and raising from among us, et d'avoir élevé parmi nous a divine leader for us, un leader divin, a divine teacher for un enseignant divin, and a perfect guide, et un guide parfait. I speak of the
the most honorable Elijah Muhammad. Je parle de l'honorable Elijah Muhammad. Who Allah exalted. Qui est le... Qu'Allah a élevé. And gave him wisdom. Et à qui il a donné de la sagesse. Knowledge and understanding. De la compréhension. To reform us as a people. Pour nous réformer en tant que peuple. To make us. Pour faire de nous. Into a great people. Un grand peuple. Once again. Encore une fois. And I also thank Allah. Et je remercie également Allah. For giving birth. D'avoir donné naissance one from the mind of the honorable Elijah Muhammad, d'une personne qui vient de l'esprit de l'honorable Elijah Muhammad and given us an extension of him. Et de nous avoir donné une extension de lui-même. I speak of the man who I refer to as je fais référence à la personne a divine servant of Almighty God, qui est un divin servant and in de my Dieu opinion, et à mon opinion the greatest freedom fighter that we have left on this planet Earth. Le plus grand combattant pour la liberté qu'on a actuellement dans le monde, the honorable minister Louis Farrakhan. L'honorable ministre Louis Farrakhan. It gives me pleasure to greet you in the Arabic words. Et je vous salue dans les mots arabes. As assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Which means peace be unto you. Qui signifie que la paix soit avec vous. And bonjour monsieur, bonjour madame. Please pardon me for my inability. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour mon inhabilité to speak to you in the French language. De vous parler dans la langue française. I promise you. Je vous promets. The next time I come, que la prochaine fois que je viens, I'll be able to recite more words, que je pourrai parler avec plus de mots en français, in the French language, dans la langue française. So first, I would like to thank our host, Brother Dieudonné. Let's give him a big round of applause. Faudrait qu'on applaudisse et on remercie le frère Dieudonné de nous avoir accueillis ici. For his boldness. On remercie Dieudonné pour sa stature and his courageousness. Et son courage. And when we live in a place like Europe who boasts of democracy, et lorsqu'on est sur une place en Europe, how can we have democracy and we're denied freedom of speech? Qui parle de la démocratie mais qui donne pas la liberté de parole? So Europe shows its intelligence when it allows us to have freedom of expression, even if she doesn't like what we're saying. Alors l'Europe démontre en fait autre chose que ce qu'elle est censée montrer en fait à travers la démocratie et la liberté de parole. Because we have been listening to Western powers speak for centuries, and we have not liked what they have been saying. Parce que depuis des années, ils nous parlent de liberté de parole, mais en réalité, on ne sait pas réellement, concrètement, de quoi ils parlent. So as thou hast done, the scripture says. Alors comme il est dit dans les écrits. So shall be done also. Alors comme il sera fait. So in commemoration of the great life of our brother Colonel Muammar Gaddafi. Alors pour commémorer notre frère Kadhafi. He was indeed and is a great freedom fighter. Il a été et est un grand combattant. He was fighting. Il combattait. For freedom, pour la liberté, not just for himself, pas juste pour lui-même, but for the entire human family, mais pour l'entière famille humaine. In the Holy Quran, dans le Saint Coran, one of the most salient objectives, l'une des choses les plus importantes, and tasks of any Muslim, pour tout musulman, is to feed those who are hungry. C'est de donner de la substance à ceux qui ont faim. And to set free anyone who is in slavery or captivity. Et de donner la liberté pour tous ceux qui sont en esclavage et en captivité. Muammar Gaddafi personified that scripture. A personnifié cette écriture, ces saintes écritures. He worked morning, evening, noon and night. Il a travaillé matin, midi et soir. To feed the hungry. Pour nourrir ceux qui avaient faim and to eradicate slavery. Et pour éradiquer l'esclavage. Slavery, l'esclavage is when est lorsque your freedom and authority votre liberté is ruled over by another.
est géré par d'autres personnes. And your sphere of movement et votre capacité de pouvoir aller et venir is limited est limitée according to the wishes en accord avec la volonté d'un maître. Muammar Gaddafi a travaillé to free pour libérer all of those tous ceux who were under such bondage qui étaient sous cet esclavage from tyrants. Des tyrans. The Honorable Minister Louis Farrakhan, le ministre Louis Farrakhan, when he heard of the state-sponsored assassination, lorsqu'il a entendu of Muammar Gaddafi, la tentative d'assassination par rapport à Gaddafi, referred to as his brother, à qui il faisait référence comme étant son frère, said, and I quote, il a dit, et je cite, when we lost our brother, lorsque nous avons perdu notre frère, we lost a very, very important, nous avons perdu vraiment un vraiment vraiment important member of our family, membre de notre famille. The Honorable Minister Louis Farrakhan, l'honorable ministre Louis Farrakhan a dit, and I quote, et je cite, I can't take the assassination of Muammar Gaddafi lightly. Je ne peux pas prendre l'assassination de Kadhafi de manière légère. As I could not take the assassination of my mother lightly. Comme je ne peux pas prendre l'assassinat de ma propre mère de manière légère. Or my wife, ou de ma femme, or my children, ou de mes enfants, lightly, de manière légère. That's the kind of relationship, c'est le genre de relation that we had, que nous avions with him, avec lui. One of the names of Muammar Gaddafi l'un des noms de Muammar Gaddafi est également the lion of the desert, le lion du désert, the lion of Africa, le lion d'Afrique. The Honorable Minister Louis Farrakhan stated, l'honorable ministre Farrakhan a dit publicly to publiquement the world, au monde, that the nation of Islam, que la nation de l'islam, the loss of a great brother and leader, a perdu un grand leader. And the Honorable Minister Louis Farrakhan further, et le ministre Farrakhan a rajouté, and acknowledged to the world, et ça a été reconnu dans le monde, that this man served as a lion of Africa, que cet homme a été un lion d'Afrique, and a lion of the desert, un lion du désert. Why does Africa need a lion? Pourquoi l'Afrique a besoin d'un lion? Because there are a lot of bloodsuckers in Africa. Il y a beaucoup de suceurs de sang en Afrique. There are those who are sucking the oil of Africa. Il y a des gens qui sucent les matières premières. There are those who are sucking the diamonds of Africa. Les diamants d'Afrique. And there are those who are sucking the gold of Africa. Et il y a des gens qui sucent l'or d'Afrique. So Africa needs, alors, l'Afrique, and needed, et a besoin, a lion, d'un lion, of not just the desert, but the entire continent. Mais sur tout le continent. Because the mineral resources in Africa, parce que les ressources minières en Afrique, has literally built every capital in Europe, construisent toutes les capitales ici en Europe. Africa is poor, l'Afrique est pauvre, and Europe is rich. Et l'Europe est riche. Because not only has mineral resources from Africa built Europe, c'est pas juste à cause du fait de prendre les ressources minérales, but the people of Africa, mais le peuple d'Afrique, who were also snatched from Africa, qui a été également banni d'Afrique, has built these great capitals, construisent aussi ces capitales en question. And literally the blood of Africa, et littéralement le sang, can be found in the mortar, peut être trouvé dans les moules of every brick in de toutes Europe les briques and America, ici, en Europe et en Amérique. Now, what is some of the casualties of the assassination of Muammar Gaddafi? Quel est le résultat de l'assassinat de Kadhafi? Now in Europe we have, maintenant en Europe nous avons an immigration crisis, une immigration, une crise, the like of which we have not seen in centuries, comme jamais il a été depuis des centaines d'années. Our brother Muammar Gaddafi, Muammar Gaddafi, notre frère, his desire was to make all Africans, voulait que l'ensemble du continent africain love Africa, aime l'Afrique, and to make Africa their home, et qu'ils fassent de l'Afrique leur propre maison. He wanted every African around the planet, il voulait que tous les Africains sur terre, to be proud, soient fiers of Africa, de l'Afrique.
and to be proud to be an African. Et fier d'être africain. Why did he want that? Pourquoi il voulait cela? Because many Africans leave Africa. Parce que beaucoup d'Africains quittent l'Afrique. And are more proud to be European than African. Et préfèrent être européens qu'être africains. And put down their African culture and traditions. Et mettent de côté leur culture africaine et traditions. To pick up European culture and traditions. Pour prendre la culture européenne et les traditions. Above their own. Pour eux-mêmes. Some of us leave Africa and are in France now. Il y a beaucoup qui ont quitté l'Afrique et qui sont en France maintenant. And are more French than President Macron. Et ils sont beaucoup plus français que Macron. There's nothing wrong with being proud to be French, English, German. Il y a rien de mauvais à être anglais, français. But when any European goes to Africa or the Caribbean, they're very proud to be a European in Africa and in the Caribbean. Mais quand les Européens vont en Afrique, ils sont très fiers d'être eux-mêmes, d'être ceux qu'ils sont. So there should be nothing wrong with us who are from different parts of the world. Donc il n'y a rien de mauvais, nous qui sommes de différentes parties du monde, feeling proud to express our culture, d'être fiers de ce que nous sommes, de notre culture, regardless to where we are. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. So again, what are some of the consequences? Alors, quelles sont les conséquences of the assassination de l'assassinat of Muammar Gaddafi? De Muammar Gaddafi. No nation on this planet, il n'y a pas une nation sur cette planète, particularly in the third world, particulièrement will ever trust the United Nations again. Lorsque nous avons allié avec les Nations Unies, because the United Nations, parce que les Nations Unies, signed off, ont signé, on the assassination, sur l'assassinat, of Muammar Gaddafi, de Kadhafi. No nation that had weapons of mass destruction, il n'y a pas de nation qui a plus de would dare give them up as Muammar Gaddafi gave his weapons up. De bombes et de bombes de destruction massive. Because after he gave up his weapons, parce qu'après qu'il ait ses armes, that's when the West turned on him. C'est après cela que l'Occident en fait sont allés contre lui. A consequence of the assassination of Muammar Gaddafi. Les conséquences du meurtre de Kadhafi is the fact that in North Korea today, aujourd'hui en Corée du Nord, they will never allow, or Kim Jong-un will never give up his weapons. Il ne donnera jamais ses armes. Because he saw what happened to Gaddafi when he did. Le président de Nord-Coréen, parce qu'il sait ce qu'ils ont fait justement à Kadhafi. And in Pakistan, it's the exact same thing. Et au Pakistan, c'est la même chose. And any nation that has toute nation weapons of mass destruction, qui a des armes de destruction massive, will never give them up, ne va jamais rendre cela, because they know, parce qu'ils savent, after they disarm themselves, qu'après qu'ils se désarment eux-mêmes, that they cannot trust those who encourage them to so do, qu'ils ne pourront pas avoir confiance dans ceux qui les encouragent à pouvoir se désarmer. And this is now leading to an arms race. Maintenant, ça amène, where little nations, à l'armement de petites nations, are striving to arm themselves, qui essayent justement de s'armer, because they know bigger nations, parce que c'est des plus grandes nations, vis-à-vis de plus grandes nations, more powerful nations, des nations beaucoup plus fortes, will be and are desirous of taking over their lands, ont peur justement qu'on prenne leur pays, and reducing their people into slavery, et de réduire leur pays, leur petite nation, en esclavage. I just want to read to you the last will and testimony of Muammar Gaddafi. Je vais vous lire le dernier témoignage, testament de Muammar Gaddafi. He stated before he was assassinated, avant qu'il soit assassiné, il a dit, I pledge that I will die as a Muslim. Je veux mourir comme un musulman. Should I be killed, je promets, je pourrais être tué, I would like to be buried, j'aurais aimé être enterré, according to Muslim rituals, en accord avec le rituel musulman, in the clothes I was wearing, dans les habits dans lesquels j'étais habillé, at the time of my death, au moment de ma mort, my body unwashed, mon corps, in the cemetery of Sirte, dans un cimetière de Sirte, next to my family and relatives, à côté de ma famille et de mes proches,
I would like that my family, j'aurais aimé que ma famille, especially the women and children, spécialement les femmes et les enfants, to be treated well after my death, soient traités bien après ma mort. The Libyan people should protect its identity. Le peuple libyen devrait protéger son identité, achievement, ce qu'elle a acquis, history, son histoire, and the honorable image, et les images honorables, of its ancestors, de leurs propres ancêtres, and heroes, et de leurs héros. The Libyan people, le peuple libyen, should not relinquish, ne devrait pas, the sacrifices, oublier, of the free, les sacrifices, and best people, pour la liberté et des meilleures personnes. I call on my supporters, j'appelle à ceux qui me supportent, to continue the resistance, de continuer à résister, and fight, et de se battre, any foreign aggressor, et de battre contre tous ceux qui viennent de l'extérieur, against Libya, contre la Libye, today, aujourd'hui, tomorrow, demain, and always, et pour toujours. Let the free people of the world, laissons les peuples libres du monde, know that I could have sold out, que je ne pourrais pas vendre, our cause in return, notre cause, for a secure and stable personal life, juste pour sécuriser ma vie personnelle. I'm going to repeat that, je vais répéter cela, for a pour. This is why I've got to learn French quickly, huh? Our brother said that he could have sold out a long time ago, pendant longtemps, for a comfortable personal life. En fait, il faut pas qu'il garde une vie. Il va pas vendre ce combat-là juste pour avoir des bénéfices dans sa propre vie, pour avoir une vie stable. Secure and stable. Qui sera sécurisée et stable. Our brother said I received many offers. Il a dit qu'il a reçu beaucoup d'offres. To this effect. Pour pouvoir justement se retourner. But chose to be at the vanguard. Mais a choisi d'être de l'avant. Of the confrontation. De la confrontation. As a badge of duty and honor. Comme un badge d'honneur et de devoir. Even if we do not win immediately, même si nous ne le faisons pas tout de suite, we will provide, nous ferons, a lesson to future generations, que ça soit une leçon pour les futures générations, that choosing to protect, qui vont choisir de protéger, the nation is an honor, c'est la nation en tant qu'honneur, and selling it out, et de vendre, is the greatest betrayal. Et devant tout cela, c'est vraiment la plus grande traîtrise. That history will forever remember. Que l'histoire se souviendra pour toujours. However, they tried to portray this. Cependant, ils essayent de le faire. Let's give a big hand to our brother for his last will and testimony. In my conclusion, donc en conclusion, the Honorable Minister Louis Farrakhan taught us in regards to the assassination of our brother. Le ministre Louis Farrakhan, en accord avec l'assassinat de notre frère, one of the most salient lessons, l'une des plus grandes leçons, we must extract, que nous devons extraire, and learn, et apprendre, is never forget, c'est de ne jamais oublier, the enemy is the enemy, que l'ennemi c'est l'ennemi. Never forget. N'oubliez jamais. Repeat after me. Répétez après moi. Never forget. N'oubliez jamais. The enemy is. Que l'ennemi est. The enemy. L'ennemi. And when you fall asleep. Et lorsque vous dormez. On that knowledge. Sur cette connaissance qui vient de vous être donnée. That is when the enemy. C'est lorsque l'ennemi. Will take us out. Va vous sortir dehors. The betrayal of Muammar Gaddafi, qui est arrivé à Kadhafi, by significant members of his inner circle, par rapport à ce qui lui est arrivé, must be duly noted, doit être noté et étudié.
Don't think that this is just overseas, the Honorable Minister Louis Farrakhan warns us. Ne pensez pas que c'est juste des choses comme cela qui se sont passées. This type of treachery is in our various organizations. Ce genre de traîtrise qui s'est passée même autour de lui existe dans toutes les organisations. And also sometimes can be found amongst family members. Et des fois même parmi les membres de votre propre famille. When you are desirous of fighting for freedom, lorsque vous voulez et vous désirez vous battre pour la liberté, justice, pour la justice, and equality, et l'égalité. The Honorable Minister Louis Farrakhan cautioned us, Louis Farrakhan, to watch for those, nous a dit de regarder close around us, réellement proche de nous, dans notre environnement, for signs of betrayal. Les signes de traîtrise. Because it is written in the scriptures of the Bible. Parce qu'il est écrit, il est dit dans la Bible. That in the last days. Dans les derniers jours. Perilous times will come. Il y a des jours périlleux qui seront présents. And betrayal. Et que la traîtrise. Will be one of the marks. Va être une des marques. Of the end of the world. De la fin de ce monde. As we know it. Comme nous le savons. People will feel. Il y a des gens qui vont sentir. That they'll be safer, qu'ils seront sains et saufs, betraying a good cause, et ayant une bonne cause, a just cause, avec une bonne cause, une juste cause, to save their personal lives, pour juste sauver eux-mêmes, and personal interests, et leur intérêt personnel. So extract that as a lesson. Alors il faut extraire comme une leçon from the way how our brother was betrayed by those who he called his brothers and friends. Il faut tirer une leçon de ceux qui étaient autour de lui qui ont été des traîtres par rapport à lui. And just to conclude, I want to look conclure, at some of the accomplishments of our brother. Sur les accomplissements de notre frère. After the nationalizing of the oil in Libya, après avoir nationalisé, he used the oil revenue, le pétrole, to benefit the Libyan people. Il a fait en sorte que ça bénéficie au peuple libyen. Building schools, en construisant des écoles, infrastructure, des infrastructures, universities, des universités, and hospitals, et des hôpitaux. He also raised the literacy rate. Il a également from 20% when he became the leader. Il a également baissé le taux des locations. And at the time of his assassination, temps de son assassinat, it was up as high as 83%. Le taux d'alphabétisation, excusez-moi, était de 83%. Il a enlevé l'analphabétisme. Libya, whilst he was among us, donc la Libye actuelle, enfin de l'époque, finest or could boast one of the finest healthcare systems. Avait un des systèmes de santé les meilleurs. In any so-called third world nation. Dans une soi-disant pays du sud, dans un soi-disant pays du sud. All Libyans had access to doctors. Tous les Libyens avaient accès aux médecins. And we can't say that in the UK. Et on peut pas dire la même chose en Angleterre. Hospitals, les hôpitaux, clinics, les cliniques, and medicines, et les médicaments. Free of charge. Était gratuit. You know, in the Western Hemisphere, anything that's free means you're gonna die quickly. Il y a rien qui est gratuit ici dans cet hémisphère, sinon vous allez mourir rapidement. But he offered the highest qualities of medicine for free. Mais il a donné les choses gratuites dans le domaine de la médecine. He raised the life expectancy in Libya. Donc il a donné cela. Il a élevé l'espérance de vie en Libye. From 44 years. De 44 ans. And at the time of his assassination. Et au moment de son assassinat. It was 75 years of age. 75 ans. These are great accomplishments. C'est un grand accomplissement. Basic food items were subsidized. Également la nourriture. And electricity was made available throughout the country. L'électricité était disponible partout dans le pays. Brother Muammar Gaddafi. Le frère Muammar Gaddafi. Set up huge irrigation project. A mis en place un système d'irrigation. Which were established in order to support a drive. Qui était établi pour pouvoir amener. Towards agricultural development, au développement de l'agriculture,
and food self-sufficiency. Et pour que le peuple libyen puisse être autosuffisant dans la production de son de sa nourriture. In the desert. Dans le désert. He spent 33 billion. Il a dépensé 33 milliards on the man-made river. Dans une rivière fait et construit mis en place par les Libyens. Where his engineers ou les savants brought water up out of the desert ont amené de l'eau depuis le désert and pipelines ran et ont amené des pipelines from Benghazi jusqu'à Benghazi to Tobruk à Tobruk almost to the door of Tunisia également jusqu'à la porte de la Tunisie which really was one of the wonders of the world what he built in the desert qui était vraiment quelque chose qui s'est fait dans le désert en fait. And any Libyan who wanted to become a farmer et tout Libyen qui voulait être un agriculteur was given free use of land. Il lui était donné de la terre gratuitement. A house, une maison, farm equipment, les équipements pour pouvoir être fermier, livestock, des stocks pour pouvoir faire and seeds. Et également des graines. When did anybody offer you that in Paris? Qui vous offre ça ici à Paris? Or anywhere in Europe? Ou partout en Europe? Name me one leader in Africa. Et nommez un leader africain. Doing this for their people qui today. Qui fait cela pour son propre peuple aujourd'hui? However, our brother Muammar Gaddafi. Cependant, Muammar Gaddafi had a sterling example. Était un exemple. Of putting the people first. À suivre pour mettre le peuple en premier. So we would encourage our African leaders. Alors nous encourageons les leaders africains. To follow in his footsteps. De suivre son exemple. Brother Muammar Gaddafi vowed. Muammar Gaddafi vowed. A dit. A évoqué. A dit évoqué.